L'arbuste que nous avons le privilège de présenter maintenant est celui qui est présent devant nous ici, un jeune pied qui fait, on va dire, jusqu'à peut-être 3 mètres. Il s'agit de Xanthoxylum xanthoxyloides. Et on a donné aussi le nom Phagara xanthoxyloides. C'est un arbuste que l'on trouve dans toute la zone de savane, hein, en fait. Mais généralement, lorsque la pluviométrie est assez élevée quand même, hein, jusqu'à 1000 mm, mais aussi dans les zones côtières, on les trouve dans des buissons très touffus. Et il fait partie de la famille des, du citronnier, le rutacée. C'est pour ça, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, quand on froisse la feuille, il y a une certaine odeur qui rappelle beaucoup l'odeur de la feuille du citronnier. Mais ce qu'il faudrait faire remarquer tout de suite, c'est que l'arbuste va très fréquemment, en tout cas en zone de savane, hein, elle va pousser, il va pousser sur les anciennes termitières, comme on peut voir ici, c'est une ancienne termitière, hein, là. Donc il est fait de une argile assez dure. Alors l'écorce ici, hein, je vais détacher certaines de ces épines et regarder un peu plus près l'écorce. Alors l'écorce de ce jeune plant, bon, quand on taille, on enlève un tout petit peu tout ce qui est la carapace dessus. Bien sûr, il y a une coloration verdâtre qui apparaît, ensuite plus jaunâtre, clair. Hein, et c'est intéressant d'enlever une partie de l'écorce du tronc et de voir. Voilà, à l'intérieur, comment ça se présente, c'est un peu plus jaunâtre. Hein, sur ce tronc jaune, hein, jeune, hein, sur le tronc, le tronc âgé, les couleurs vont être un peu plus foncées. Alors, est-ce qu'on peut constater le caractère gluant qu'on voit dans les feuilles ici? Oui, ça colle légèrement, mais pas trop. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on porte ça sur la langue, là, et qu'on croque un tout petit peu, au début on sent rien, mais dans les minutes qui suivent après, on constate que c'est piquant, ça brûle, hein? Ça brûle. Et en fait, si on fait toucher le palais, même avec, on voit que toute la partie intérieure de la bouche, ça devient assez piquant. Alors on a utilisé ça beaucoup en pharmacopée, mais certains ont émis aussi dans la littérature, hein, la remarque que si c'est utilisé fréquemment à forte dose, ça peut être toxique. Mais il faut dire qu'en général, hein, c'est les plantes très actives qui ont aussi ce caractère toxique, malheureusement, y compris les médicaments modernes. Il ne faut pas en abuser. Donc tout est une question de dosage. Mais là, ça pique vraiment. On dirait que vous avez mis du piment sur le bout de la langue. Donc ça, ce sont des caractéristiques qu'il faut observer sur cette plante. Avant de parler quand même des feuilles, nous pouvons voir que le tronc ici, peut-être on peut faire un gros plan, ça c'est un arbuste relativement jeune, hein, le tronc est assez gris clair, et on voit que c'est couvert d'épines, hein, vraiment crochu, que l'on voit ici, qui se plante carrément sur le tronc. En fait, c'est une caractéristique de cet arbre. Toutes les parties, sauf peut-être les fleurs, hein, sur les fleurs et les fruits, toutes les parties comportent des épines, y compris sur les nervures des feuilles, comme on peut voir ici. On va revenir à ça tout à l'heure. Mais c'est des épines assez crochues, d'une couleur marron foncé, on peut voir là. Et on peut donner la taille des épines. Hein. C'est légèrement recourbé vers la partie inférieure ou vers le sol. C'est des épines crochues qui peuvent atteindre facilement 1 cm de long, comme on peut voir ici, 1 cm. Là aussi, on peut voir, ça vaut ici 1 cm. Et donc, quand on regarde l'arbuste, en général, il va se ramifier tout de suite dès la base. On dit que c'est sarmenteux, ça forme de nombreuses petites branches à gauche, à droite, hein, donc une tendance même à être buissonnant. Et donc, si on regarde, on va prendre un rameau.
tige, disons une branche relativement jeune. Et on va voir la disposition des feuilles là-dessus. On peut prendre celui-là. Hein. Disposition des feuilles. Voilà. Les feuilles sont disposées de manière alterne. Hein. Là, ça c'est une feuille. Ça c'est une feuille, ça c'est une feuille, ça c'est une feuille. Et quand on regarde la façon dont ça se rattache sur la tige, qui est striée avec un ton marron un peu plus foncé, mais des stries beaucoup plus claires, hein, disposées en fibres là-dessus. Ça c'est sur les jeunes rameaux, les jeunes tiges. Et on voit les épines sont de couleur qui tendent vers même le noir, hein, n'est-ce pas? Très foncé. Épines crochues de 1 cm. Donc on voit les feuilles, il y a une feuille ici, une feuille là, elles ne sont pas disposées de manière opposée, elles sont alternées. Et nous pouvons voir dans le même temps que les feuilles, eh ben, sont des feuilles composées qui sont imparipennées, parce que c'est terminé par une seule foliole ici. On voit là une seule foliole terminale, qui est plus grande, la foliole terminale est plus grande d'ailleurs que les autres folioles. Bon, maintenant, le pétiole, c'est-à-dire avant l'apparition des premières des foliolules, hein, ce que je montrais tout à l'heure, c'est les foliolules. La foliole, c'est cette partie qui est divisée justement hein, en différentes foliolules. Tout ça, c'est la foliole de la feuille, c'est une foliole composée de foliolules. Donc quand on regarde le pétiole, avant l'apparition des premières foliolules, on voit là, c'est assez long. Hein. Ici, là, c'est 3,5 cm. On regarde un peu plus en haut, là, c'est même plus, c'est 4 cm. 4,5 cm. Là, on peut voir 4,5 cm. De là, donc, l'attache du pétiole sur la tige jusqu'à l'apparition des premières foliolules. Et donc, on peut prendre la feuille maintenant et regarder d'un peu plus près comment elle est faite. Hein. Son rachis, hein. C'est-à-dire la petite tige centrale. Là, si je commence à la base, hein, le rachis, bon, on commence en haut du pétiole. Jusqu'en haut, ça fait une dizaine de centimètres. Bon, on prend jusqu'à la base, ça vaut 15 cm, on peut le voir ici, 15 cm. Donc dans la littérature, on avance entre 10 et 15 cm de longueur de rachis. Là, 10 à 15 cm là. Bon, ça c'est assez visible. Le limbe hein, de la foliolule terminale, hein, sa longueur est facilement là, 11 cm, c'est une largeur de 5 cm. Et donc, on peut remarquer hein, qu'il y a des épines en haut de la nervure principale. Là, on voit les épines, une épine, deux épines. Et aussi au dos, hein, sur la nervure principale, on voit qu'il y a plusieurs épines. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que c'est un arbre qui a des épines presque partout, excepté sur la fleur et le fruit. Et la couleur de la feuille, là, vert foncé et vert clair. Nervure assez évanescente, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure, où elles sont encore un peu plus visibles. Là, si on prend la feuille, elle est de forme essentiellement elliptique. Hein. Parfois, ça peut être légèrement obovale, c'est le cas ici. On peut voir la partie supérieure un peu plus grosse, un peu plus large que la partie inférieure. Par exemple, ici, 4,5 cm contre 3,5 cm en bas. Alors, le bout se termine parfois aussi par un micron. Voilà, un micron, une extrémité un peu pointue, là, c'est très visible. Hein, tandis que c'est légèrement acuminé à la base, hein, en forme de cône. Et la feuille, le limbe ordinaire, hein, a une largeur, disons, de 4 cm sur une longueur de, on va dire, 8,5 cm, 9 cm, quoi. Avec des pétiolules assez courts, de l'ordre de 5, 6, 7 mm. Quand on regarde donc le limbe, on voit que c'est attaché sur la nervure centrale de manière un peu dissymétrique. Là, l'attache prend un peu plus en haut que de l'autre côté. Là, c'est pareil, légèrement dissymétrique. Et donc, quand on regarde la feuille elle-même, elle comporte hein, combien de paires de foliolules? 1, 2, 3, 4, 5 paires de foliolules. Le plus souvent, ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5 paires de foliolules. Alors, en plus de ça, il faut ajouter la foliolule terminale, bien sûr. Donc, 5 paires, ça fait 10, plus 1,
11 foliolules. Et quand on regarde très bien la feuille, on voit bien que oui, le caractère coriace se manifeste tout de suite. Hein. Alors je vais couper une de ces feuilles, une des foliolules si vous voulez, le terme exact. Je la détache et je regarde. Vous voyez là, le limbe a une bordure entière. Mais ce qui se passe, c'est que quand on regarde parfois, on voit des bordures qui sont légèrement crenellées, un tout petit peu découpées. Alors que cela ne surprenne donc pas, il s'agit bien de notre plante Santoxylum santoxyloides ou Phagara santoxyloides. Et on va regarder un peu plus en détail la feuille. Hein. Les nervures secondaires, peut-être on prend celle-là. Il y a combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, une quinzaine de paires de nervures secondaires. Et quand on froisse la feuille, je fais attention, j'enlève les épines, je détasse les épines, hein, et qu'on froisse bien la feuille, là, on froisse, on voit... Voilà, on voit le caractère un peu gluant, hein, hein, comme du gombo, voilà, hein, c'est gluant. En fait, quand vous préparez même une tisane ou une décoction de ça, vous allez voir que ça a un caractère assez gluant, ce qui peut faire en sorte que son absorption peut être un peu délicate, mais on a vu dans la littérature qu'il s'agit d'une plante avec d'excellents effets sur l'organisme en fait. Pour décrire la fleur, nous allons considérer ce rameau en essayant de ne pas se faire piquer parce que l'arbre se défend très bien contre les observateurs curieux à cause de, avec ses nombreuses épines. Mais là, on a une inflorescence ici en panicule hein, hein, qui est vraiment terminale en bout de rameau. Mais souvent aussi, ça apparaît à l'aisselle des feuilles. On dit que c'est axillaire. Hein. On voit alors les épines attachent mon vêtement, mais là on voit un peu plus haut, si j'attrape ici, on voit là une inflorescence plus jeune, avec les boutons, les tout petits boutons, c'est vraiment un panicule, hein, hein, terminal aussi, en bout de rameau, mais on va prendre celui-là, on va regarder combien l'espèce d'épi qui est là, combien ça mesure, hein. Là on a une hauteur avec un pédoncule assez court de environ 1 cm, on a une hauteur de environ, on va dire combien, 3 cm, hein, 3 cm de haut. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 5 cm. Et si on prend la grappe, on regarde un peu plus près, je vais couper un bout, hein. On va regarder ça d'un peu plus près donc. Là, voilà. On ne pourra pas distinguer malheureusement les différentes parties, il faut regarder ça au microscope. Mais voilà. Tout ce que vous voyez là, ça comporte des étamines, un pistil au milieu, bien entendu. Donc, en abaissant cette tige, on voit là. Hein, là, on voit le panicule hein, de fleurs, la grappe que vous voyez, et puis les jeunes fruits qui sont là, hein, qui forment des capsules sphériques, n'est-ce pas? Ils sont couleur verdâtre d'abord, portées sur un court pédoncule d'un demi-centimètre à 7 mm. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, donc, va évoluer vers la maturité. On voit là, on obtient ces petites boules sphériques, mais ce n'est pas encore tout à fait à point. Au fur et à mesure que la croissance va s'avancer, vous allez voir que après c'est déhiscent. Ça va s'ouvrir suivant une fente, hein, une fente qui traverse la capsule en deux parties. Et là-dedans, on voit la petite graine noire. On va voir là, quand ça s'ouvre, en général, quand ça s'ouvre, donc la graine noire à maturité, qui est une sorte de sphère légèrement aplatie, va tomber au sol. Voilà, là, il n'y a plus la graine en fait. Quand vous regardez de près, vous voyez ces deux feuilles opposées, hein, qui contenaient la graine, mais la graine est déjà tombée. Mais on va trouver un fruit où on trouve encore la graine noire à l'intérieur. Si on évolue un peu vers là, peut-être, on va couper un fruit qui n'est pas encore tout à fait ouvert et on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Là, donc j'ai coupé. On trouve cette même odeur citronnée poivrée. Hein. Quand on appuie, on voit la sève qui sort un tout petit peu.
Mais je vais prendre une des graines et je vais essayer de décortiquer, d'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez là, quand j'enlève l'enveloppe, que j'ai dit, hein, que c'est, normalement ça s'ouvre automatiquement en maturité et les graines tombent au sol. Mais là, je vais forcer à l'ouvrir. Ça, c'est un fruit presque à maturité. Et là, on voit une graine noire. Hein. Et lorsque ça s'ouvre tout seul, d'ailleurs, la graine est brillante. Là, on le voit là, un peu. Voilà. Là, donc c'est sphère légèrement aplatie. Là, je pose là. Ok. Voilà. Vous voyez là, c'est une sphère légèrement aplatie avec un diamètre de l'ordre de, on va dire, 2 mm. Hein. 2 mm. C'est assez remarquable de voir que lorsque la capsule sphérique eh bien, devient sèche, les graines que vous voyez là, graines noires, sont tout de suite exposées. Et donc, au moindre mouvement de vent, vont tomber par terre. Et lorsque ça tombe, évidemment, les insectes vont bouffer la plupart de ces semences. Et surtout la matière qui se trouve à la place de l'amande à l'intérieur de la graine noire. Et là, dès que je touche un peu, voilà, et ça tombe par terre. Et dès que c'est tombé, voilà, c'est détruit. C'est rapidement éliminé. Donc là, effectivement, on voit les enveloppes, les capsules qui sont ouvertes, hein, et qui ne contiennent plus la graine parce que la graine a roulé sur le sol. On est dans une rigole ici, on voit la graine noire, elle est là. Mais on peut voir aussi qu'elle est un peu abîmée, hein, avec une certaine fente, elle a desséché. Et là, c'est celle que vous voyez brillante ici, c'est une graine neuve que j'ai enlevée. Donc si vous ramassez ces graines qui sont plus ou moins desséchées et dont l'intérieur, vous voyez là, c'est clairement visible celui-là, toute la matière qui est à l'intérieur a été bouffée par les insectes, et bien vous semez ça, le taux de germination va être très faible. Et tandis que là, la graine pleine, plus ou moins nouvelle, hein, le taux de germination va être plus intéressant. Voilà, donc nous encourageons les uns les autres à se procurer justement la semence de cette plante, soit directement dans la forêt, soit auprès des centres nationaux de semences forestières, en faisant très attention au fait que si on a des graines de mauvaise qualité, le taux de germination peut être très faible. En ce qui concerne les noms locaux, eh bien, le Xanthoxylum xanthoxyloides est appelé par exemple au Mali par les Bambara Wo, ou bien Won. Les Malinkés disent aussi Wo ou Won. Les Peuls ou Poulards du Mali vont dire Boule Barke, ou bien Boule Barkele. Les Senufos disent Nkologo, ou bien Nkorogo. Le poulard va dire toujours boule barake. Maintenant, au Burkina Faso, les Bambara ou les Dulafone là-bas vont l'appeler Wo. Tandis que les Mossi appellent cet arbre Rapeoro. En Côte d'Ivoire, en Abron, on va dire Bi. En Baoulé, Akoué. Tiende ou bien Kaingé. En Dula, ils vont dire Wo. En Gouro, ils vont dire Kahane Iri. En Guimini, ils vont dire Gan. En Hausa, face à Kwari. Et en Karaboro, toujours en Côte d'Ivoire, ils vont l'appeler Nkama. En Koulango, ils vont l'appeler Hango. En Lobi, Kekelike. En Senufo, Diegama. En Guinée, les Malinkés vont dire aussi Wo. Tandis que les foulards vont l'appeler Boule Barkele. Boule Barkele. Maintenant, quand on part eh bien, côté Sénégal, les Diola, Casamance vont dire Makou, ou bien Boussan, ou bien Nisedet. Hein, Nisedet, en Hausa, face à Wari. Eh bien, au Sénégal, les Mandingues vont l'appeler aussi Wo. Le peuple là-bas, Barkele. Les Serères vont l'appeler Inoch, ou bien Inok. En Wolof, ils vont dire Genejidek, ou bien Nok, ou bien Den.
ou bien Horapole Alla. Au Togo, en Akasselem, ils vont dire Kokalawe. En Bassar, ils vont dire Yalyal. En Ewe, Wati, ils vont dire Heti. Ou bien Seti, ou bien Xé. En Fon, ils vont dire Drubiaou, Étain. En Gourmantier, ils vont dire Opol, Polourou. En Nifé, ils vont dire Ata. Au Bénin, eh bien, en Adja, ça sera Heti. En Baoué, ils vont dire Ohé. En Bariba, Yambo. En Fon, He ou bien He. En Mina, ils vont dire Ehe, ou bien Eheti, ou bien Xeti. Et en Wahama, ils vont dire Dabo. En Yom, ils vont dire Kwaruagbu. Voici donc hein, quelques noms locaux tirés de la littérature. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Et ça devrait suffire pour permettre de reconnaître cette merveilleuse petite plante que nous encourageons les uns les autres hein, à vraiment contribuer à l'expansion, à la connaissance, pour qu'on puisse maintenir l'espèce bien vivante, mais pas seulement pour meubler nos forêts, mais pour le bien-être de l'homme lui-même et de son environnement.